Et par la nuit, il eut fait. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ça, c'était la première tentation, mais la deuxième tentation, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera ordre à ses anges, et à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Et la troisième tentation, c'est que le diable, le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Que mon Dieu capable de bénir, passage ça pour l'édification de vos âmes. Bon Dieu bénis. Seigneur, nous demandons, t'en prie, s'il te plaît, nous le pain que nous avons besoin de matin. Fais-nous tendre, ça ouvre pour nous, là-bas, au gloire, au nom de Jésus. Amen. Non, passage ça, alors ça, nous regardons le matin, c'est tenter, mais non pécher. Tenter, mais non pécher. Non, parce que ça nous lit, premier verset, hein? Son verset qui t'avait prêté à l'équivoque, son verset qui t'avait paru incompréhensible avec chrétien, avec lecteur de la Bible. Et ma cache dit au début, le commencer à lire la Bible, moi j'ai un petit problème avec verset, premier verset, hein? Qui dit le Saint-Esprit portait Jésus aller. Et pour le capable de tenter, et maintenant, qui ça qui fait le Saint-Esprit, et capable un sujet, capable de participer dans un bagage comme ça, est-ce que c'est Jésus qui a fait complice contre Jésus, pour mener Jésus, pour être tenté? Donc, son passage qui est capable de bailler un petit problème si on ne pas comprendre passage ça. Maintenant, vous prêtez attention pour comprendre qui ça nous va dire. Dites que c'est ce qui conduit Jésus à la tentation. Alors, est-ce que, et ça nous est écrit, hein, c'est ça lié. Mais qui j'en m'a expliqué ça? Nous songeons que gain Adam, le premier, ça nous est le premier Adam, le premier homme qui était créé sous terre. Adam t'a fait faillite, bon Dieu t'a créé pour une mission, et Adam fait faillite, il t'est montré incapable pour dominer. Ça, bon Dieu, t'es pas bon de dominer toute la terre, tout le bagage. Et le rencontrer avec adversaire là, dans le jardin d'Éden, ça veut dire qu'il est succombé. Adam tombé. Adam chuté. Bon Dieu béni. Alors c'était le premier Adam. Jésus, le second Adam, vini pour capable mettre l'ordre dans tout le bagage, pour restaurer, réparer tout. Et là Jésus vini, c'est que cette tentation était nécessaire. C'est une nécessité pour que Jésus soit capable d'aller dans la tentation ça. Pour qui ça? Tentation ça, t'as pas montré capacité morale
Jésus pour l'accompli travail qu'il était accompli sur la terre. Bon Dieu béni. D'où cette tentation était nécessaire pour capable prouver au monde entier que le second Adam n'est pas le premier Adam. Que le second Adam est digne, est moral, il a la moralité nécessaire pour accomplir la mission qui lui était confiée. D'où, tentation ça a, il est nécessaire. Et Dieu t'a voulu tentation ça. Le Saint-Esprit menait Jésus même pour être tenté. Et par là, c'est pour capable de démontrer à tout le monde que Jésus est qualifié pour sa mission. Bon Dieu béni. Donc, c'est pas parce que Saint-Esprit contre Jésus et qui contre ce sens-là. Non. Mais c'était dans le plan de Dieu que Jésus était capable de tenter et pour être capable de prouver que deuxième Adam est supérieur à premier Adam. Bon Dieu béni. Pour être capable de montrer que la mission que Jésus vient pour accomplir, il y a une capacité morale pour être capable d'accomplir. Pour te montrer que cette fois-ci, Adam a rencontré le diable face à face et lui paraît invulnérable, lui paraît intouchable, lui paraît inchangeable, lui en sécurité pour être capable de montrer que Adam, ça, c'est pas même ça, même Adam qu'on a rencontré avant. La paix, mon Dieu, avec vous. Premier Adam, t'es cédé, il est tombé, mais deuxième Adam, il est venu pour remporter la victoire. Et déjà, dans le compte ça, eh bien, Adam ça a les victimes, le diable, parce que il n'est pas tombé en obéissance au diable. La paix, mon Dieu, avec vous. Premier Adam, t'es obéi Satan, ça, Satan t'a dit faire, il t'a fait lui, et il succombé, et il cause le monde a souffert, il cause le monde en grande douleur, grande peine. Ça nous est aujourd'hui à premier Adam cause, parce qu'il était succombé. Mais deuxième Adam, pas succombé devant adversaire, le diable. Bon Dieu béni. C'est pour ça que la tentation est nécessaire. Pour le défaite, c'est une preuve, c'est une test de caractère, un test de personnalité, son test. Tentation de oui, tentation ça, payé. D'ailleurs, mot grec qui traduit tentation, c'est test même. C'est le verbe tester et le verbe prouver. Non, Jean 6, verset 6, d'abord éprouver. De Corinthiens 13, verset 5, d'abord encore éprouver. Donc, bien que il y ait un dilemme théologique qui est capable de présenter le fait que Jésus n'a pas péché, est-ce que c'est parce que il Dieu, c'est parce que l'homme aussi a péché? Donc, nous ne parlons pas là, on a tourné là. Mais il faut se rappeler que Dieu est, Jésus est Dieu, et puisqu'il est Dieu, eh bien, il n'y a pas de nature péché dans lui. Il n'est pas capable, il n'est pas capable de pécher. Ça, et le diable vient faire, eh bien, il n'est pas capable de faire. Et c'est la raison pour laquelle qui fait que bon Dieu fait bagarre là comme ça. Dieu vient pour former homme, mais il n'est pas venu recevoir la nature d'homme. C'est ça qui fait que ce n'est pas un garçon qui mettait Jésus dans votre mari. Parce que, moralité, tout ça qu'on gagne, tout gène qu'on gagne, tout sa caractère, personnalité, tout yon sorti dans un garçon qui baille Timoun. Yon sorti dans un garçon, il n'y a pas de baille, mais en pile très haut, yon sorti dans un garçon. C'est un garçon qui te met Jésus dans votre mari. Jésus t'a pris un pécheur, t'a pris une nature pécheresse là. Ça veut dire Jésus est capable de succomber facilement. Bon Dieu béni nous. Mais la nature pécheresse, pas dans Jésus. Jésus pas connaît la nature pécheresse là. Et ça, ben nous, yon avantage. Donc,
Et Paul a parlé, il dit comme ça qu'il ne connaît pas de péché, il a parlé de Jésus, de Corinthiens 5, 21. Il ne connaît pas de péché. Pierre parlait dans 1 Pierre 2, 22, il dit, il ne commettait pas de péché. Jean 3, 5, il dit, il déclarait, eh bien, en lui, il n'y a point de péché. Ça veut dire que la nature de Jésus, eh bien, elle est différente parce que elle n'est pas conçue par un garçon. Ça fait que, eh bien, et ça fait bon Dieu te fait plan ça même. Parce que si son homme, il y a un homme, il y a un autre monde qui te fait par un homme, par un garçon qui te vit comme sauveur du monde. Le monde va être sauvé parce que le monde s'attaque bien péché dans lui, bien j'aime péché. Et pour répondre à bon Dieu, faut pour ce sacrifice à ta bon, faut pas avoir péché là-dedans. Donc, il va être capable. C'est ça que fait. Je dis à un peu le monde à prendre Mahomet comme sauveur, comme messie. Ils ont trompé parce que ils ont homme pécheur pas capable de bailler le ça. Bon Dieu, je m'en béni au matin. Donc, nous bien content que c'est Jésus nous gagne. Il n'y a pas qu'à casser maintenant poche. Il n'y a pas bon d'abord, oui. Il n'y a pas qu'à casser maintenant poche. Différence qui est entre tentation Jésus et tentation pas nous. Jésus est capable de recevoir tentation extérieure, dehors. Dehors, il n'a qu'à recevoir tentation. Et c'est ça que diable a mis, il fait suggestion à Jésus. Lui communiquer à Jésus sa tentation extérieure. Mais il n'est pas capable de recevoir tentation pas capable de travailler en dedans. Parce que pas une installation de péché qui fait en dedans. Donc tentation est du dedans et pas capable d'atteindre Jésus. Parce que ce n'est pas une installation qui fait. Il est plus facile pour nous-mêmes, puisque nous-mêmes, nous descendons de l'homme pécheur. Puisque nous avons une installation de péché qui fait dans nous, ça veut dire que nous-mêmes nous sommes capables de tenter en dedans. Mais Jésus n'est pas capable de tenter en dedans. Et c'est ça qui fait que bienvenue, les parler, et c'est vrai, Satan est venu, et bien les suggérer, bagaille qui est contraire à la volonté de mon Dieu. Mais Jésus, ça ne va pas traverser Jésus. Et parce que il n'y a pas de passion pour le péché. En donné. À l'intérieur, tout ça que tu as donné, c'est des bagailles bon Dieu que tu as donné. Il n'y a pas de rien en donné qui va stimuler le péché. Le péché a venu attaquer ou là. Tentation a venu. Il est passé. Parce que déjà gagné germe dans dedans qui répond à lui-même, c'est ça qu'il faut tomber. Mais si en dedans, tout un germe péché à mourir en dedans, c'est tout un plus difficile pour tentation jeter où. Bon Dieu béni. Tout un germe dans mourir plus bien, c'est tout un plus difficile pour tentation capable de jeter où. On n'a dit parole là. Mais ça ne peut pas traverser où. Et le contraire. Ça nous est en Jésus, tant que Edmien a suggéré pour le péché, nous est Jésus a baï ça et gagné. Vous pensez qu'il dit on donne ce qu'on a. Qui ça Jésus gagné? Jésus a versé l'écriture, bah, monsieur. Jésus a traité avec les écrits. Les écritures. Ça veut dire ça ou gagné, ça Jésus apprend dans mon papa, mais c'est lui-même la baï. Bon Dieu béni. Tentation Jésus a été réelle malgré que Jésus n'est pas capable d'atteindre Jésus. Donc il était moralement impossible pour Jésus de décider puisque Jésus sortit dans le bon Dieu. Donc la nature de Dieu dans Jésus était moralement impossible parce que ça pour Jésus te doit faire, c'est ça il te ouais papa qu'on fait. Il parle papa qu'on péché et Jésus même papa qu'a péché. Le plus souvent, bagaille que petit monde nous fait, comme qui ça nous fait,
C'est ça que nous avons fait. Ça que l'autre monde a fait. Modèle yo gagné c'est lui même yo fait. Ça ti mon a bien même si on dit comme ça que moi même pas mon mais pourtant la prendre ni en côté quand même. C'est modèle li gagné c'est lui même li pratiquer. Jésus pas gagné modèle ça et papa pas fait bagaille ça yo. Donc en cas de Jean 5 verset 10 verset 19 Jean 5 verset 19 verset 19 il dit verset 19 Jésus reprit donc la parole et leur dit en vérité je vous le dis le Fils ne peut rien faire de lui-même il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jésus pas qu'a fait péché parce qu'il paraît papa a fait péché. Il pas qu'a pratiquer péché parce qu'il paraît bon Dieu a pratiqué péché. Ça papa a fait, il disait ça lui, il fait. Et très très important pour que nous capables comprendre le modèle ça. Ça maman pour la gaye, c'est ça, c'est pour la béquer. Donc, il n'y a pas qu'à faire un lien avec propre autorité. Jean 5, 31. Donc, en plus, papa n'a pas de Jésus autorité pour être capable de céder en bas tentation. Jésus n'a pas de autorité ça pour te céder en bas tentation. Satan le diable. Donc, qui raison tentation qui est gagné? Eh bien, but tentation, c'est pas pour te voir si Jésus t'a péché ou non. Mais c'est de prouver que même sous forte pression, eh bien, il n'y a pas qu'à faire rien que seul sa Jésus est capable de seulement obéir, papa. La réponse est à toi. Bon Dieu, pas de voyer Jésus dans la tentation pour te voir si Jésus t'a péché ou non.